Oui, cocorico. If you can find... Ah ouais, mais il fait nuit. Le magasin est fermé à Cocorico la nuit. J'avais pas pensé à ça. Bon. Et ben, je sors vite fait. Le temps que le jour il bouge, que le soleil se lève et tout ça, tout ça. Voilà. Je regarde. Ça va, la lune se couche. Donc il n'y aura pas trop à attendre. 580. Pour la petite fille. J'en ai combien? Ça fait quoi? 50, 100? 150? Ouais. C'est moi ou... Eh, mais c'est un fantôme là en fait, près de l'arbre. J'étais en train de regarder, j'ai cru que c'était un insecte. Mais non, c'est un fantôme, vu comment il bouge. Enfin, un fantôme. Un spectre. Oui, le spectre. Me dis pas que maintenant qu'il fait jour, je peux plus avoir accès aux fantômes. Oh. Salaud. Ah, bon. Ils sont chiants. Au moins ça y est, il fait jour. Ok, je suis un humain. Là, 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 là. Voilà. On file l'argent. Et on se TP. Ok, il manque plus que 855 rubis. Monsieur va voir maman? Oui. D'accord, on y va. Et voilà, hop, TP. Et on revient dans le donjon direct. Ah, c'est super pratique. Mais je m'en sers pas beaucoup, pas souvent. Ah tiens, vous voilà. Bon bah, allons-y. Ok. Tac.
C'est pas passé loin, hein. Yes. Et voilà. On est dans le bon sens. Il reste combien de coffres? Un en devant. Et puis après, il faut monter au boss. Au boss, ok. Bah voilà. Bah en fait, c'était méga simple. Clé du boss. J'ai juste sauvegardé. On sauvegarde. Et voilà. Je suis en train de réfléchir. Moi j'ai deux fées. Je suis full cœur. Ouais, bah go au boss, hein. Je sais que ça, il faut l'activer. Voilà. Non. On revient en arrière, on revient en arrière. Voilà. Je sais qu'il y a... Alors, je sais. Je sais plus s'il y a un truc tout en haut, en fait. C'est ça. Parce que j'étais sorti avant de monter tout en haut. Ouais. En fait, il n'y avait rien. Ah si, il y avait une fée. Mais ça sert à rien. Ouais, normalement j'ai pas besoin du boss. Enfin, j'ai rien besoin pour le boss. Ah, j'aurais pu sauvegarder avant le boss, mais bon. Je suis en train de me souvenir. Je sauvegarde juste. Il me semble que ce boss est un peu relou, mais pas compliqué. Santo ? Encore en vie. Cela est regrettable, très regrettable en fait. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent.
Baba, antique terreur ressuscité. Ok, au revoir. Alors, si je me souviens bien, c'est... Ah, ça. Je sais que c'est un truc comme ça, mais je sais pas. Je sais que c'est un truc comme ça. Du souvenir. Mais je sais plus pourquoi il veut pas. Attends, je réfléchis. Peut-être des bombes. Ah voilà. Ça y est, je me souviens. J'avais pas sorti les pics. Voilà. Il semble que le plus simple, c'est dans le dos. Et voilà. Voilà, c'est fou. Oui, c'est pas difficile. C'est juste que c'est moi qui avait pas bien saisi à un moment. Je savais qu'il fallait taper dedans, mais je savais plus qu'il fallait sortir les pics au moment où taper. Ah oui! Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, pourquoi il a pas explosé? Parce que c'est pas fini. Parce qu'il y a d'autres phases. Je crois qu'il y a une deuxième phase du boss. Ah. Oh, il m'a juste tombé, fait tomber. Allez, c'est parti.
Ah. Bon, c'est pas difficile, c'est juste un peu chiant en fait. Cette phase n'est pas difficile, elle est juste chiante. Ah mince, j'ai pas eu le temps de taper assez. On voit que maintenant il y a des pics. Donc ça peut être problématique. De ce côté-là, il n'y a pas de pics. Mais il ne me semble pas qu'on puisse aller du bon côté. Ah si. Salaud. Il fuit. Il fuit. Le plus simple, c'est ce côté-là. J'aurais presque préféré être tout en haut, mais bon. Et voilà. Si je reste trop longtemps au sol, il va me tirer des boules de feu en fait. Maintenant, on voit qu'il y en a de l'autre côté aussi, des pics. La question que je me pose, c'est comment ils sont arrivés là? Ah. Ok, yes. Ça va, on monte vite. Et voilà. Enfin! C'est pas passé loin, hein? Passerelle. Une porte. Allez, Zeus, on y va. Lumière des ombres est tout proche. Ouais, on a mis quoi? J'ai mis 11 minutes pour battre le boss. Ça va. Ça aurait pu être pire. En plus, on l'a même pas recommencé. Ah bah, je viens de sauvegarder le jeu.
je sais plus. Ouais, il y a qu'un seul côté. Je sais plus. Non. C'est dans ma tête. J'ai cru qu'il y avait un insecte. Mais c'était dans ma tête. Ok. Oh oh. Ok. Chambre du miroir. Le jeu est gentil, mais il n'y a pas de miroir. Ah, il est caché. Ah. Ça faisait longtemps. Au moins, j'aurai un TP en haut, près du miroir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, ils sont 5. Si on peut mettre les deux là ensemble, voilà, venez. 4-5, et voilà. En tout cas, la statue est jolie. J'aime bien le principe. De monter le long du serpent qui est son corps. Ah oui, c'est les piliers qui montent, oui. Tu es en train de me dire, c'est la statue qui descend ou pas? Ah oui, c'est les deux. La statue descend et le pilier démonte. Ok. Oh. Dans les ombres réside un pouvoir malfaisant, répandant partout les ténèbres. Ô être élu qui porte le signe des déesses, le destin guide tes pas, écoute nos paroles. Nous, sages, veillons depuis des temps immémoriaux sur le miroir des ombres, ainsi que les déesses nous l'ont ordonné. Ce miroir des ombres que vous convoitez a été brisé par une effrayante magie et ses fragments éparpillés. Cette magie est un pouvoir né des ténèbres et qu'il contrôle. Cet être se nomme Ganondorf. Il y a bien longtemps, il est venu à la tête d'une bande de pillards pour s'emparer de la terre sacrée. Imbu d'une puissance démoniaque, il était craint pour ses pouvoirs magiques et ses dépravations. J'ai pas eu le temps de lire le dernier mot, mais voilà quoi. Mais cette même puissance causa sa perte. De la rédemption de ceux qui restèrent aveuglés au danger du pouvoir naît le gemme de...
cependant. Les déesses ne sont pas sans amère ironie. Il s'avéra qu'il portait en lui le pouvoir de la Triforce. D'accord, c'est pour ça qu'il manque un sage, ok. Gallandorf en a tout. Ce mélange de haine et d'avidité qu'il portait en lui grava en son âme une rancœur, un tectant inextangible. C'est sans doute lui qui a doté Xanto de ce pouvoir malfaisant. Si vous venez juste de comprendre d'où vient le pouvoir de Xanto, c'est bien trop tard. Le seul être ayant le pouvoir de détruire le miroir des ombres est celui que le peuple des ombres a reconnu comme son souverain. Brisé par la magie, le miroir des ombres a volé en éclats et les fragments se sont dispersés de par Hyrule. L'un d'entre eux gît quelque part dans les hauteurs enneigées. Un autre se cache dans une antique forêt. Et le dernier se trouve quelque part dans les cieux. Vous, instrument des déesses, vous seul avez une chance de réunir ces trois fragments. Mais ne vous attendez pas à une victoire aisée, car la magie imprégnant ces fragments est encore active. Ok. Je réfléchis. Ouais. Bah, on peut se TP. Je peux me TP, mais je sais plus où. Parce qu'il me semble que si je me TP près du château, il y a le postier qui va venir m'apporter une lettre. Donc, est-ce que j'ai besoin d'aller près du château? Pour les insectes, ça fait quoi? 50, 100, 150? Ouais, on peut aller récupérer les 150 rubis de ma quête. Bon, bah, on se TP au château. Voilà. C'est ce qui me paraît le plus logique. Pour l'instant. Faut que je sauvegarde parce que j'ai pas envie de me retaper la cinématique. Voilà. Monsieur Star Wars, où êtes-vous? Je l'avais dit. Ah, le voilà, Monsieur Star Wars. J'ai du courrier pour vous. J'ai deux lettres pour vous, Monsieur Star Wars. Maintenant, moi, je repars. A plus.
Alors, deux lettres. Je l'avais dit que j'allais avoir du courrier. Au gentil monsieur. Jeune homme, notre rencontre fortuite et heureuse dénouement m'a permis de passer un très bon moment en votre compagnie. Grâce à vous, j'ai pu revoir le sourire de mon fils et cela a rempli mon cœur de joie. Enfin, mon fils et moi sommes en route vers une autre contrée. Si vous continuez, vous aussi, votre aventure, nos chemins ne peuvent que se croiser à nouveau. Mon fils et moi attendons des retrouvailles avec impatience. Prenez soin de vous. Baba. Alors, je pense que cette lettre, on est censé la recevoir une fois qu'on a utilisé une première fois Baba. Donc, j'aurais pu la recevoir beaucoup plus tôt ou pas. Et alors, ça boum ? J'espère que tu t'éclates tous les jours avec mes bombes. J'ai un nouveau modèle de bombe du genre exotique. Viens jeter un œil. Si tu passes par le coin avec tes rubis dans les poches, il faut absolument que tu les essayes. Cramé. Alors, attends, il y a les bombes aquatiques, et les dernières, c'est, je crois, les bombes murales, un truc comme ça. C'est-à-dire les bombes téléguidées, il me semble. C'est un truc comme ça. Il me semble, hein, après, je sais plus exactement. Tutu ici. Ah, hein? Juste tutu, tu veux quoi? Hop, tu veux venir avec moi? Bah, je t'emmène. Hop. Ah, moi, j'emmène le tutu, moi. Hop. Oh, au voleur, le tutu. Ah, bon, bah, Princesse Macaron. Ouais, j'ai 150 rubis à récupérer. Eh non, j'en ai 200 à récupérer. Parce que là, il me file 100. Alors, elle me dit toujours plus ou moins la même chose. Donc, c'est pour ça que je lis plus. Alors, c'est un truc important. Parce qu'une fois qu'on lui a donné tous les insectes, elle nous file la bourse à 1000 rubis, je crois. Ou 5000 rubis. Il me semble que j'en ai plus. Ok, j'en ai plus. Bon, 200 rubis de plus. Ça va. On peut aller voir Thelma. Parce que normalement, on va avoir la suite de l'aventure. Il me semble. De souvenir, je sais qu'il y avait un passage qu'on devait faire en loup pour aller chez le médecin. Mais je ne sais plus par où on passe. Et alors, comment va Iréa? Je suis sûr que le père Rénal trouve un moyen de la guérir. Arrête de t'inquiéter, concentre-toi sur ce que tu as à faire, tu en as déjà assez avec ça. Je sais que tu te rébouilles très bien toute seule, mais n'hésite pas à demander conseil à Ash. En ce moment, elle est postée dans les montagnes du nord d'Hyrule. Sa position exacte est inscrite sur la carte, sur la table au fond. Tu peux aller voir. Ah. On peut lui parler? Oh, Seigneur Staos, je dois avouer que l'inquiétude me gagnait à votre sujet. Finalement, la tour du jugement possédait-elle quelques mystères? L'humble serviteur que je suis fut autrefois employé par la famille royale d'Hyrule comme tuteur pour la jeune princesse Zelda. C'est à cette époque que j'entendis pour la première fois mentionner le miroir maudit de la tour du jugement. En ce moment, je dois avouer que je suis complètement fasciné par la légende des Célestiens. Tout le monde connaît la légende qui dit que ce sont les liens du peuple quasi-divin qui auraient fondé Hyrule, mais une autre légende dit qu'il existerait un peuple encore plus avancé et que ce sont eux qui l'ont fondé. Ce peuple aurait créé une autre ville lorsque les Iliens sont nés, et propulsant cette ville dans les cieux s'y serait installé. Certains chercheurs pensent que ce peuple vit encore aujourd'hui, quelque part dans le ciel. C'est Célestien, fascinant, non? Je donnerais n'importe quoi pour les rencontrer. Toi? Ouais, tu dis rien. Pourquoi je peux pas regarder? Ah, la carte. Ok.
Ash a seulement dit qu'elle était préoccupée par les picles blancs. Et elle est partie. Ouais, t'es chez... Attends, je viens de voir un truc sur la carte. Pourquoi il y a un point violet ? Là. Pourquoi il y a un point violet ? Ah bah oui, il a joué un... Ah bah non, bah... C'est normal, alors. Non, bah c'est des points de TP, en fait. C'est juste moi. Donc, il faut qu'on aille voir du côté de chez les auras. Ouais, mais ça m'embête un peu. J'aime pas trop aller chez les auras. C'est chiant. Parce que là, on va arriver sur la montagne de neige. C'est un coin que j'aime pas trop. Pousse-toi, toi. J'aime pas trop. Alors attends, j'essaie de réfléchir. Chez le... comment qu'on fait pour aller chez le... Parce que je vois bien que... là au-dessus, il y a un passage. Mais je sais plus comment on monte en fait. Je pense que lui, il faudrait le circuler. Pour pouvoir se transformer. Mais je sais plus. Bon bah c'est pas grave. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, 4 heures. On sauvegarde et puis voilà. Et ben voilà. Et ben sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir été présents sur le live. Et puis je vous dis à mercredi pour la suite et demain sur la Daruma pour du Portal 2. Sur ce, je vous dis merci à tous et à la prochaine.